Bon, en attendant, dans cette affaire, je me suis fait une petite culbute de 50 000, 60 000 à peu près. Ah, quand même. Ouais, ouais. Quand c'est pas négligeable. Allez, santé. À la vôtre. À la vôtre. Santé. Bonheur. Amour, prospérité. Bon. Alors, Eve. C'est bien ça, hein, Eve. Ouais. Tanguy nous dit comme ça que tu es mannequin. Ah, mais oui, c'est vrai. Ça doit être génial, hein. Et alors, ce temps-ci, tu défiles pour qui? Lagerfeld? Ben, en fait, je suis pas un mannequin classique. Vous voyez la pub Contrex d'il y a 2 ans? Vous savez, un truc au bord d'une piscine? Non. Avec les... les nanas topless, là? c'est vrai. Hein? C'était toi? Ben, on partit. En fait, à un moment, il y a un gros plan sur des pieds. Eh ben, c'est les miens. Je suis mannequin pied. À quoi, ça va être génial, mannequin pied. Ah oui, oui. Je savais pas que ça existait. Je te laisse 2 minutes. Attends, Nad, t'es pas obligé de checker la bouffe toutes les 30 secondes, comme ça. Pas sociable, hein, ils viennent juste d'arriver. Oh merde. Mon conseil financier, il dort jamais à ce point. Excusez-moi. Oui, ça prend ça. Ouais. Tiens, Tanguy. J'ai un truc qui va te plaire. C'est quoi, ça? Ça, comme tu dis, c'est le dernier Sony DCR-DVD 403. C'est un must de technologie, il y a un son de ouf en 5.1. L'image, je te dis pas, c'est carrément, tu te crois au cinéma, c'est 3 millions de pixels. Enfin, c'est un truc de ouf. Ça enregistre directement sur le DVD qui est intégré. Ça, c'est génial, ça, enfin, ça, pour tous les amateurs de cinéma comme moi, pour tous les fous d'attendre 2 minutes. C'est pour tous les fous de cinéma comme ça, C'est pas un caméscope, c'est pas une caméra, c'est un aller simple pour le 7e art. Hein, tiens, voilà. Fais gaffe. J'arrête pas, je filme, j'arrête, je filme tout. Non mais épaté, chérie, vraiment. Ouais, bon, on fait comme ça, ouais. Bah, ciao. Ça va, mon amour? Tu as un coup de main? Donne-moi l'huile d'olive. Elle est pas fut-fut, hein. Qui ça? Ben, la mannequin pied. Non? Bon, moi, je trouve même plutôt mignonne. De toute façon, tu comprends rien, là. À part dépenser tout ton pognon dans les fringues. Ah, ben, c'est sûr, c'est pas ton pognon que j'ai dépensé, t'en as pas. Non, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai pas papa derrière moi. Excuse-moi, je suis un artiste. Ah oui, l'artiste. Parfaitement, oui. Oui, parfaitement. Moi, j'aime bien. Hein? Le cinéma. J'aime bien. Quand j'étais petite, je parlais plus du tout. Du moins, après la mort de ma mère. J'allais tout le temps au cinéma. C'est un endroit où je me sentais bien. En sécurité. Bon, comme Samy va être en retard pour changer, je vous propose qu'on passe à table. Ah, bonne idée, je crève la dalle, moi. Allez. Alors. mais je me disais, toi, Tanguy, t'aurais pas envie de travailler avec Eve, parce que finalement, là, maintenant, t'as trouvé quelqu'un qui... Non, mélange pas de travail, alors. Ah, oh, ça fout la merde dans les couples, hein. Bah si, Quentin, lâche-moi avec ta caméra, putain, on est à table, là. Merde, ça se fait pas, attends, ça se... Arrête, hein, de toute façon, je suis trop cher pour toi. Ah, oh, mais ça va, laisse-le s'entraîner. Voilà. Tu viens? Samy, enfin. Eve, alors dis-nous, comment as-tu rencontré notre Casanova? Casanova? Oui, enfin, je veux dire. Tanguy? Ah, on s'est rencontrés à une speed dating. À une quoi? Ah, Samy, enfin! Salut tout le monde, désolé pour le retard! Salut Samy! Eh, mon scooter m'a claqué entre les pattes! J'étais obligé de prendre un taxi, ça m'a coûté 30 euros, je suis deg. Première fois qu'il nous fait le coup du scoot, hein? Ouais, ça va. Bon, on va te laver les mains dans la cuisine et réapplique. À tout. Tu parlais de quoi? Oui, tu disais un speed machin. Pardon? Speed dating, c'est un truc américain, tu connais pas? Tu vois genre 10 nanas en 30 minutes et à la fin tu fais ton choix. Moi j'ai choisi Eve. 10 nanas en 30 minutes. Oh quelle vantardise.
Vive le romantisme. Ah, mais au contraire, c'était très romantique. Il y avait des bougies et de la musique. L'endroit était très joli et le serveur était très sympa. Bonsoir. Salut. Ah, d'accord. J'ai rien loupé ? Dîner classique, calme pas. Tu m'emmerdes. Je fais ce que je veux, non ? Tu peux pas t'empêcher de te bourrer la gueule, hein. Et alors ? Et alors ? Et alors, t'es qu'une putain d'alcoolique mondaine, voilà, c'est tout. C'est... Attends, c'est à moi que tu dis ça ? Mais t'es qu'une pauvre merde. T'as jamais su faire un film. T'es nul, t'es mauvais, t'as pas de talent. Tu te crois réalisateur, t'es même pas foutu de tenir une caméra. Ça va, c'est bon. Et puis son film. Attends, tu crois que tu vas le faire, ton film ? Mais t'es un naze, un loser. Tout le monde se fout de ta gueule et tu t'en rends même pas compte. Quoi, c'est pas vrai ? Quoi, c'est pas vrai ? Oh, vous m'emmerdez. Arrête. Mais attends, attends. Et depuis quand il faut savoir tenir une caméra pour être réalisateur ? Hein ? Non mais attends, j'ai raison, non ? Ouais, t'as raison, t'as raison. Mais c'est pas la peine de vous disputer comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais c'est pas grave, on mange, allez, c'est bon, on continue. C'est toujours pareil, hein. Et toi, tu fais quoi ? Tu travailles ? Je suis mannequin pied. Ah, c'est fun ? Ah oui. Les toilettes, c'est par où ? C'est là, c'est au bout du couloir, à gauche. Je le coupe comment le rôti là ? Bah on tranche. Ouais, ouais non, ça va, ça va, t'as raison. Mais tu le fais exprès Hugo, c'est pas des tourne-dos qu'on mange. Quoi ? J'ai besoin d'aide ? Putain Hugo. Pardon. Pardon, je vais cleaner. Je vais. Excuse-moi. Je vais nettoyer. Oui. Ouais. Je fais quoi ? Écoute, tu sais découper un rôti ? Ah oui, comme un chef ? Ah, je te jure, les hommes. Ça fait longtemps, toi et Hugo ? Presque 10 ans. Ah oui. C'est du sérieux. En fait, avant, il était un peu coureur, mais j'ai réussi à le calmer. Fidèle, en plus de ça. Il est devenu sage. Et avec Cynthia ? Quoi, Cynthia ? Ils n'ont pas eu une histoire tous les deux ? Pourquoi tu dis ça ? Je sais pas. Ça sent. Aïe. En tout cas, ils ont l'air de s'apprécier. Ah oui ? En fait, Cynthia a pas supporté qu'il la quitte pour moi. C'est sûr, il a gardé de l'affection. Mais bon, elle croit que c'est de l'amour. Ça la rassure. Mais c'est pas plutôt toi que ça rassure. Nadège, tu peux venir, s'il te plaît ? Quoi encore ? J'ai bouché les toilettes. C'est une blague ? Non, c'est... Ouais, je quand même, désolé, je... Nadège ! J'ai fini. Le rôti, j'ai fini de le trancher. Ah. Eh ben... Si tu peux mettre le gâteau au four, c'est fantastique.
Il est là. Tu m'as fait peur. C'est bien que tu aies peur de moi. Tu me connais pas, tu sais pas de quoi je suis capable. Tu m'as pas l'air bien méchant. C'est ce que tu crois. Et qu'à voir avec ton amoureuse? Quoi, mon amoureuse? On voit bien qui porte la culotte dans votre couple. Ça veut dire quoi, ça? T'aimes bien qu'on te crie dessus, non? Attends, mais t'es pas bien, toi, qu'est-ce que tu racontes? Laisse tomber, j'ai rien dit. Non, non, mais attends, c'est quoi ce plan? Tu vas pas t'en tirer comme ça. Écoute, j'ai pas envie de foutre la merde, mais... Moi qui aime le cinéma, je peux te dire que t'as du talent, Quentin. Et si tu laisses ta copine te parler comme un chien, tu vas perdre ton génie. Mon génie. Écoute ton cœur, Quentin. Je trouvais que c'était pas assez trash. Ouais, c'était pas assez trash. Ils veulent quoi en fait? Ils veulent une décapitation directe, une tournante en caméra cachée, je sais pas. Exagéré. Non, non, mais là on vient de récupérer un concept slovaque, c'est énorme, il y a déjà trois chaînes qui veulent l'acheter. C'est quoi? Je vous raconte? Ouais. Ah oui. Imaginez, deux énormes baraques de rêve. Piscine à vagues de 25 mètres, 10 hectares de terrain, etc. etc. La classique. À l'intérieur, t'as la totale. 212 caméras autonomes à visée infrarouge. 918 micros HF multidirectionnels pour un son en 5.1. Retransmis 24 sur 24 sur le câble, le satellite, internet et même sur ton téléphone portable. Ben c'est le loft quoi. Ouais. Sauf que... Dans la baraque 1, t'as 16 couples stériles. Dans la baraque 2, 16 orphelins de 8 à 13 ans refilés gracieusement par la DAS. On nomine, on élimine, on passe les coups de fil. Au bout de 10 semaines, le dernier couple adopte le dernier mot. C'est la maison du bonheur, c'est Dasland. Dasle. C'est énorme. Tu te fous de ma gueule. Ah non, pas du tout, non. Non, tu te fous de ma gueule. Mais c'est trash, c'est ça qui marche. Et si c'est pas nous, c'est les ricains qui vont le faire. C'est dégueulasse. Mais quoi, c'est non, mais attends, si ça rend service, c'est super. T'as déjà vu un tamanoir? T'as vu les merdes qu'on nous balance à la télévision? C'est scandaleux. C'est quoi? Bah, c'est un fourmi. C'est un gros cochon poilu, comme ça, avec un long museau, et avec une queue, ça fait comme une espèce de trompe. Et ça mange des fourmis, des termites toutes petites. Et ça peut manger jusqu'à 30 000 par jour avec son énorme langue, comme ça, de 60 cm. Je te jure, c'est super fascinant. Quand j'étais au Mexique... Excite. Hein? J'ai envie de baiser. Ah bon? Enfin, bébé, je te reconnais pas, là. Comment tu peux cautionner ça? Non, mais attends, si ça peut aider un pauvre môme à trouver une famille, c'est merveilleux. Ah ouais? Et qu'il y en ait 15 qui retournent au foyer après avoir goûté des vacances de rêve, tu trouves ça merveilleux? Mais c'est toujours mieux que tes films de merde, en tout cas. Fais gaffe, hein. Putain, arrête avec ça. Hein. Si tu me veux, c'est maintenant. Hein? Je voudrais vous parler. Voilà, Tanguy, t'es un pote. Mais voilà, et je veux pas que tu souffres. Mais
Eve et moi, on va partir. Voilà. Entre elle et moi, il se passe un truc. Tu peux pas comprendre, c'est chimique entre elle et moi. Tu l'as pas volé, ça, là, sale conne. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai écouté mon cœur. Mais moi aussi, je vais écouter mon cœur, comme ça. Ta gueule, Samy, tu vois bien que c'est pas le moment, là. Mais attends. Ça va? Ça va, lâche-moi. Mais quoi, Cynthia? Mais attends, mais je vais t'aider. N'y pense même pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est de là, voilà. Ça fait du bien, hein. Déconne complètement ou quoi? C'est une gonzesse quand même, merde! Mais arrête, tu sais pas ce que c'est que se faire insulter, humilier pendant 4 ans! Et moi j'encaisse! J'encaisse! Mais là j'en ai marre, ça suffit! Cette pute me bouffe tout mon génie! Mais là c'est fini! Viens là toi, elles sont où les chaises? Écoute ton cœur. Écoute ton cœur, mon. Quel blaireau. Tu m'excites. C'est ça qu'elle t'a dit. Tu m'excites. C'est ce qu'elle t'a dit. C'est ce qu'elle t'a dit. Je le sais. Je l'ai vu. Tu me plais, tu me plais. Mais tant pis. On s'en branle, on s'en branle, on l'emmerde. Tanguy, elle est bonne. Ouais, salut, salut, ça va? Tu sais ce que tu fais? Tu vas au salon. Tranquille, hein, tranquille, t'arrives. Pas. Ouais, Samy, cool. Tu prends Eve, tu m'en vas là, et tu te casses, toi, tranquille. Quentin, si tu l'aimais plus, pourquoi tu l'as pas quitté avant? C'est bon, on n'en parle plus. Il s'est rien passé, mais la ramène pas, sois gentil. Et voilà le gâteau au chocolat. Mais pourquoi il manque une barre? D'après toi, le chocolat, ça réconforte. Ah, tu crois que c'est... Non, je suis allé, moi, chez elle, bouffer ses desserts. Eve? Ah non, merci. Je suis au régime. Oui, forcément. Tanguy? Tu m'avais promis? Ah oui, c'est vrai. J'ai promis. Régis? Ouais. Il a 4 kilos à perdre. Eh ben, fais-toi enlever un os. Je savais pas ce que vous ratiez. Mais bon. En tout cas, merci, Nadège. C'était très bon et très sympa, votre dîner. Ah, on dit ça, ouais. Vous êtes sûr, vous voulez pas rester pour le digestif? Non. C'est si j'avais pas mon casting demain matin, on serait resté, mais là, je suis crevée. Et puis la fatigue, ça se voit même sur les pieds. Ah. Si tu le dis. Bon, go. Bien. À bientôt, merci. Allez. Rentrez bien. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci pour tout. Rentrez bien. À bientôt. Mmh.
comme ça, t'es un petit Casanova. C'est des conneries de mes potes, ça. Ça fait 10 ans qu'ils m'appellent comme ça. N'avise pas de jouer à ça avec moi. Voilà, mais c'est des menaces. Je suis désolé, Cynthia. Non, vraiment. Mais ouais, mais aussi tu me cherches, et puis je m'énerve et ça part. Je suis un chaud, moi. Tu savais pas ça, mais je suis un chaud, Cynthia. C'est pas genre tu dors, hein. Je suis comme un coup de barre, là. Oh, tu t'en branles de ce que je te raconte? Cynthia, oh. Bébé. Oh, bébé. Avant de refermer ce journal, une information importante qui vient de tomber concernant celui que l'on appelle depuis 6 mois l'empoisonneur et qui sévit principalement en région parisienne. La police n'avait jusqu'à présent aucune piste concrète pour mettre fin à cette cavale meurtrière qui avait tombé une véritable psychose sur la capitale. Il semblerait que le tueur soit Cynthia. En réalité une tueuse. Cynthia. Le nom est Louise Lamar, aujourd'hui âgée de 25 ans, et dont la photo s'affiche actuellement sur votre écran. Si l'identité de l'empoisonneur était confirmée, cela serait la première fois que nous serions confrontés à un tueur en série de sexe féminin aussi jeune. Alors que Francis Holm a mis des années avant d'être reconnu comme tueur en série, cette fois, ça nous était plus réaliste. Je vous parle d'ailleurs, anciennement interné à l'hôpital psychiatrique de Villejuif pour avoir assassiné sa propre mère de sang-froid, celle-ci se serait échappée de l'établissement il y a de cela 3 ans sans que les recherches n'aboutissent. Le mode opératoire de la tueuse n'obéit à aucune logique, ce qui explique la lenteur de l'enquête et l'identification d'un suspect présumé. Afin de collecter toute information pouvant aider à retrouver la meurtrière présumée, la police a mis exceptionnellement à disposition dès ce soir un numéro vert qui s'affiche actuellement sur votre écran. Nous rappelons que toute information est essentielle. Louise Lamar étant soupçonnée à ce jour d'avoir empoisonné au moins 48 personnes. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'information demain matin, 7h. Je cherchais les clopes. Chérie, y a ton portable. Vas-y, réponds. Allô? Ça va? Ah, non, là, il peut pas te parler. Pourquoi c'est important? Allô? Attends, je t'entends pas très bien. Allô? Hugo? Allô? C'était qui? C'était Hugo. Hugo? Il voulait quoi? Il voulait savoir si on était bien rentrés. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je le rappelle. Je crois qu'ils allaient se coucher. Bon, je le rappellerai demain. Moi, j'ai une petite surprise. C'est quoi? Merci. Quoi? À la maison. On mange pas dans la voiture. Je croyais que j'étais au régime. C'est pas une part de gâteau qui va te tuer ?